les mecs qui sont garés devant. Et ça, c'est pas grave, il y a une grande grue. Bienvenue en direct du 29. En dessous de rêve de fou, ce matin, j'ai fait mon premier jour dans le garage de l'homme. Je devais régler une géométrie dans l'espace-temps. Je comprenais rien et les ponts étaient bizarres. Je me disais, c'est pas grave, pas Obi-Wan. Je débutais, quoi. Hier, en même temps que c'était le 28, et ben, c'était la fête des trucs de Nice de la Libération. Il y avait des chars partout, des machins, des automitrailleuses, tout ce que tu veux. C'était tout bizarre, mais c'était pas mal. Alors le mec il décharge. Sinon il y a des bagnoles garées à l'arrache de partout, comme d'hab. Pourquoi il reste une vitre? La bagnole à trois roues. Il n'y a qu'à le poser. La voiture à trois roues. Ah, c'est souvent qu'on voit de plus en plus de celui-là. Il est loup. Tu en vois même sur les dépanneuses. Mmh. Les doigts tombent en panne de temps en temps aussi. Tu vois. Combien ça lève cette grue? Pas énormément. Bon, là, il n'y a pas beaucoup. Par contre, il reste des vitres. Alors, est-ce que c'est pour quand ils vont réouvrir? Ben évidemment. Hein. Il ne va pas livrer le pupitre vide, non? Il n'y a pas, grand-chose. Non. Lila, 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 lila. J'étais tout petit, j'ai toujours aimé les grues. Aussi. Parce que quand j'étais tout petit, mon père il avait une Pauquelin. Ça m'avait fasciné. Et à chaque fois qu'il venait me voir, je voulais toujours qu'il m'amène une grue. Moi j'adorais jouer à la grue. Il avait une Pauquelin, il était grutier. Et il était dans le bâtiment, car il avait un moment, son entreprise, ça marchait bien. Ah, il avait sa grue, il avait son truc. Ben, une grue. Bête, quoi, tu peux creuser. Ah, la pas Pauquelin. Pareil, une grue, c'est ça. Non. La Pauquelin. C'est une pelle. Ouais, mais ça, pareil, ça se dit, c'est une grue. Mais ah, ben ça, une c'est une grue. Moi, c'est une pelle. Différent. Comme si tu dis un char et un avion. Quoi? Un char volant? Non, pas possible. Si ça se peut. Panzer, 55 tonnes. Un déshydratable, quoi. Non, le poids des, j'ai l'émission que j'ai vu sur les chars. 55 tonnes, 60 tonnes, il y en avait. Ça va l'engin? Là, c'est pas du 20 litres au 100, là, mon gars. C'est à l'heure. C'est je sais pas combien. Autonomie 2 heures. Ah, comment ils faisaient les mecs avec les chars? Il ben, fallait beaucoup de ravitaillement. Tiens, super. Il ne poussait pas pour le démarrer. Hein. Il est passé au-dessus là ou pas encore? Oui, ça y est.
Là, il passe de... il passe, il rase les voitures en stationnement. Et des fois, après, tu fais tout ça, et ça fait bip, 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 et je peux plus aller plus loin. Combien de fois? Ben, je peux pas. Ouais. Combien de fois on s'était baisé comme ça? La grue, elle, elle, a la sécu... elle a la sécurité, et t'es niqué. Là, s'il est tout seul, il est dans la merde si le truc il tourne. Le problème, c'est que voilà, c'est ça le plan. Vu qu'il n'y a personne. Il faut le tenir. Après, tu as des grues qui le pivotent. Au niveau de, du crochet, tu as un truc électrique, mais il tourne automatiquement. Pas seul. Passé par-dessus les voitures, il l'a posé à l'entrée. Voilà.